Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le Playing With Me du mois d'avril. J'ai à peine, voilà, j'ai juste préparé la première page et encore préparé, c'est vite dit. Mais j'ai envie de tester ces choses-là que j'ai trouvées à Action. C'est des stylos, comment dire, des stylos glu. Et que je veux utiliser avec des paillettes. Bon, ben là, j'ai des paillettes que j'utilisais pour le nail art. J'en ai partout. Voilà. Mais voilà, je vais tester ça. Essayer de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose de joli. Ça y est, j'ai déjà mis des paillettes partout. C'est génial. Mais enfin voilà, essayer de trouver un petit peu d'inspiration tout en le faisant, parce que clairement je sais pas trop quelle couleur je vais traiter ce mois-ci, donc on va le faire un petit peu ensemble. Je pense que je vous mettrai en accéléré la plupart du temps. Cette petite boîte, on en a un en version fine et un en version large, donc voilà. Moi je voudrais essayer de faire ma citation justement avec un petit effet de paillette, donc j'ai choisi A book is a dream you hold in your hand. Je vais faire quelque chose de joli. On va essayer, je dis bien. Du coup, je sais pas si le crayon en dessous va se voir. Enfin, c'est. Je sais pas trop comment faire. Hein. C'est de l'impro, comme à chaque fois avec moi, de toute manière. Parce qu'il faut que j'y aille petit à petit avec les paillettes, hein, clairement. Donc je vais utiliser le large ou le... Je sais même pas comment ça s'active ça. Si c'est non-toxique, acid free, water base, push tip use. Push tip to soak ink. Je pense qu'il faut... Voilà, donc je pompe pour activer la colle. Celui-ci est prêt, on dirait. Du coup, on voit pas ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Je crois qu'il manque un petit peu de... Il y a un petit trou. Je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir réappliquer un peu de route. Si je prends le pinceau. Vous voyez, j'applique. Voilà, je vais venir enlever l'excédent. Bon, ça va, ça colle. Du coup, je vais pouvoir avoir mon titre en paillettes.
Voilà ce que ça donne avec les paillettes. Je pense que vous voyez bien là. Mais voilà, je trouve ça super, franchement, nickel. T'en mets un peu partout. Mais voilà, j'ai les mains. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les mains criblées de paillettes. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était la première fois que je testais, donc. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que je vais faire de mon surplus, parce que je veux pas utiliser le même, je pense, pour ici. Et là, ah oui, il est vraiment écrit trop petit, de toute manière. Je vais le faire en plus big. Mais j'aime beaucoup le rendu. Mettre la colle, bah vous le voyez, sur le avril. J'ai venu chercher du coup mes paillettes que je vais venir sur le dessus. Ça apparaît comme par magie. Ça trop joli. Je vais venir utiliser mon book, le dernier que j'ai pris du coup. Je vais le faire un petit peu sur le thème de la mer. J'utilise mon petit roll-on de colle. Comme je vous le dis, sans cesse, je ne suis pas douée pour le dessin. Donc je n'essaye même pas. D'avril, j'aime trop. Je vais venir aussi rajouter le détail du mois. Le 19, la sœur de ma sœurette. Le 28, c'est ma fête. Utiliser mes Giotto comme d'habitude. Je vais refaire à peu près la même que le mois dernier, je pense. Je vais venir utiliser du coup, je sais pas dans quelle teinte je vais me mettre. Donc voilà, je l'ai modifié, donc j'ai mis assez de place pour le titre, coché si c'est filmé, si c'est monté, si c'est exporté, si la miniature est faite, si j'ai fait l'upload sur YouTube, si j'ai fait la barre d'information, si je l'ai publié, si j'ai fait le relais sur les réseaux et la date de publication. Voilà, je vais tester comme ça, je vais voir ce que ça donne.
maquillage. Après, bah, j'avais commencé mes délices et j'aime bien ce format, donc je pense que je vais réitérer un petit peu. Donc je vous retrouve un peu plus tard, j'ai fait hors caméra parce que ça durait des plombes, hein, clairement. Donc voilà, je vous remontre ma double page pour mon mois d'avril, donc que j'ai faite avec stylo, colle, mes paillettes, enfin voilà, un mélange de paillettes. Nail art, hein, de base, elle venait, je pense qu'elle venait soit de Born Pretty, soit enfin Né Jolie, ou Ali, je sais pas trop, mais bon, voilà, les paillettes, vous en trouvez un peu partout, je pense, hein, c'est pas très très compliqué à trouver, mais j'aime beaucoup le rendu. Ça brille, avec des petits, voilà, des petits stickers d'action. Hop. Du coup, j'ai mis un bazar monstre sur mon bureau. Donc voilà, tous les autocollants et les je sais pas comment ça s'appelle, moi, les trucs à prédécouper là. Donc ça vient d'Action, du Luxe Paper Block. C'est l'un des derniers de sortie, celui-ci. Hein. Donc ensuite, donc vous avez vu, j'ai fait mes sorties, mes achats, mes lectures, mon tracker vidéo, ensuite tracker de commande, tracker série, ensuite j'ai commencé mes délices, celui-ci je l'ai fait avec vous normalement, voilà. Pour mon mois d'avril. Du coup, j'ai utilisé le Giotto Turbo Glitter, donc le rose, pour faire voilà, mes titres. Je sais pas si vous allez le voir. Pour les to-do, j'ai utilisé mon petit stylo rose, voilà, d'AliExpress. Mes petits stickers d'Ali. Et enfin voilà, j'aime bien le rendu. Je trouve ça joli. Je sais pas si c'est kiff-kiff de mon mois de mars, hein, sauf que c'est pas le même angle, enfin voilà. J'ai pas utilisé le tampon ce mois-ci, mais je trouve ça quand même relativement joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon bijou.